Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo unboxing. Et oui, comme tous les mois, on va se faire un unboxing tous les mois si tout se passe bien. Bon, là, j'ai inclus mes protéines, là, incroyable. Je vais te le prendre. Déplacer mon téléphone. Là, là. On a un vrai boy. Je pense que c'est la première fois que j'ai un colis aussi gros. Et ce que j'aime bien faire avec les unboxings, c'est de te montrer ce que j'ai pris, pourquoi je l'ai pris. Et ouais, ça permet de passer du temps ensemble, c'est important. Bon, je vais juste déplacer le colis parce que sinon on va plus voir ma tête. Ça va être compliqué. Bon, en ce moment, tu l'as vu, je suis pas très actif avec les vidéos parce que là, je suis en période de formation. Tu vois, c'est dur. C'est vraiment dur. Le temps que j'ai pour aller à la formation, rentrer, manger, dormir, réviser, me laisse pas le temps de m'occuper des vidéos, à part les week-ends, d'accord? Mais j'essaie de m'organiser de la bonne façon afin de te donner quelques vidéos, au moins une ou deux dans la semaine, d'accord? Ça changera des trois ou quatre, mais au moins, on restera actif. Et je tiens aussi à tous vous remercier, à dire bienvenue aux nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, parce que les deux dernières vidéos que j'ai faites ont plutôt bien marché, ont plutôt fait monter un peu la chaîne et m'ont fait découvrir, donc bienvenue à tous, d'accord? Je te raconterai un peu comment ça se passe à la formation dans des vidéos programmes. Tu vois les vidéos où, où on fait les programmes ensemble, on s'entraîne ensemble. Là, je te raconterai un peu des anecdotes, des trucs cool, parce que faire une vidéo de te parler de formation, je trouve ça pas intéressant. Donc, ah, aujourd'hui, on n'a pas les bulles aujourd'hui. On a ça. Tu vois, dans mes vidéos unboxing, j'ai des bulles de base. Là, on m'a donné du papier à colis. Première chose. Ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est la whey. Ouais, fraise à la... Enfin, j'allais dire ouais, fraise à la fraise. Ouais, à la fraise, My Protein, Impact, ouais, c'est super bon. Et ça sauve la vie, tu vois. Ça, je le prends, je le fous dans mon sac et je suis bien, d'accord. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris, ça fait peut-être quoi, 3 mois. Parce que c'était en rupture, je sais pas si j'en ai un peu trop parlé, mais c'était en rupture, d'accord. Et là, je peux me resservir. Et ça, tu vois, ça, je le mets au frais tranquillement. Et quand j'ai un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, j'ai mangé, mais j'ai mangé un tout petit peu, et ben j'ai ça, je suis bien. C'est vrai qu'en ce moment, il fait chaud. Il fait très, très chaud. Et moi, comme je suis, j'ai moins d'appétit. J'ai moins d'appétit. Je suis en diète actuellement. Je te prépare une vidéo, d'ailleurs, sur ma diète. Et ben ça va m'aider. D'accord? Ça va apporter un petit complément en plus niveau protéines. Donc, j'ai pris ça. C'est super bon. C'est la base. Hop, et je précise, hein, si tu veux t'en procurer, tu as le code DAM sur MyProtein. Deuxième des choses, des gants de boxe. Alors, je sais pas s'ils vont m'aller. Normalement, oui, parce que j'ai l'impression que c'est toutes les tailles. Ouais, je pense qu'ils vont m'aller, ils sont grandes. Pourquoi des gants de boxe? Tout simplement que, voilà, dans ma formation, on a du combat, d'accord? Enfin, on a du combat. On tape dans des sacs et tout, voilà. J'ai besoin de gants de boxe. J'avais déjà des gants. Ils sont où mes gants? Ils sont loin. Je les prends quand même. Attends, je te montre. Oh. Espérons que mon sac tombe pas. J'avais déjà des gants de boxe comme ça. Mais là, c'est des gants My Protein. C'est pas pareil, les gars. C'est pas pareil. On a des gants My Protein. Donc, ça peut aussi me permettre de faire des petites vidéos motivation, des trucs cool. Donc voilà, gants de boxe My Protein. Toujours dans le cadre de ma formation, c'est important, j'ai besoin d'améliorer ma technique sur des sacs. Ensuite, ouais, là, on a du collagène. Collagène très important, mais celui-là, il n'est pas pour moi. Celui-là, il est pour mon père. Parce que je lui ai demandé, ouais, tu veux quoi? Est-ce que tu veux un petit truc? Il m'a dit, ouais, le collagène. Donc, je l'ai pris, collagène goût raisin. À savoir un truc, moi, j'ai du collagène. Vas-y, je te montre ça. J'ai pas envie de me lever, mais je te montre ça. Parce que on est frérot. Et je me dois de te montrer ça. Hop. Alors. Moi, je prends ça. D'accord? Je prends ça. C'est un complément alimentaire qui s'appelle Join. Tu as de la vitamine dedans. Et tu as du collagène. Donc ça, c'est très, très bon. Il y a aussi du collagène comme celui-là, mais en gélule. C'est que du collagène. Je prends ça aussi. Et je suis bien.
En ce moment, je préfère prendre mes compléments alimentaires en gélule parce que c'est beaucoup plus facile. Tu prends ta gélule, tu l'avales, de l'eau, c'est fini. La poudre à chaque fois, c'est chiant. D'accord ? C'est chiant. Moi, j'en ai marre. Donc là, je suis plus en gélule. Donc, collagène, très bon complément alimentaire. Mais celui-là, c'est pas pour moi. Ça, je peux le jeter. Ensuite. Ouais, ensuite, on a ce complément alimentaire-là. Il s'appelle concentration. Alors, il y a quoi dedans déjà ? Magnésium, vitamine B1, B2, B6. Zinc, d'accord, c'est un mélange de B12, D3. C'est un mélange de vitamine B, de zinc, magnésium, concentration, très très bon. Je l'avais déjà celui-là pour la préformation que j'ai faite, si tu me suis depuis là. Et je me sentais bien quand j'avais ça. Donc ça, toujours dans le cadre de ma formation, le matin pour tenir les cours toute la journée, j'aurais besoin de zinc, magnésium. C'est important, donc ça, primordial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a ça. Je sais pas si je connais, je sais pas si tu as déjà essayé, les fat grip. Alors, les fat grip, qu'est-ce que c'est? Tu vois, quand tu pousses à la salle, quand tu soulèves des charges, eh ben, tu peux augmenter le grip. C'est-à-dire que tu vois, quand tu tiens la barre, tu peux avoir un grip beaucoup plus gros. Et ça, apparemment, ben, le travail est différent. Le ressenti est différent, le ressenti est bien, mieux, je sais pas, mais différent. Et moi, j'ai pris ça pour tester, pour voir ce que ça fait. Parce que en ce moment, ben voilà, je m'entraîne différemment. Ben déjà, dans ma formation, on fait beaucoup de pas de corps, beaucoup de burpees, de crossfit, des entraînements que j'aime pas, mais qui me font du bien. Et du coup, à la salle, ben, j'ai envie de nouveau. J'ai envie de voir ce que ça fait. Donc, fat grip, on va voir, on va essayer. Je te ferai une vidéo spécialement dessus. Ensuite. Alors ça, ça fait très longtemps. Très longtemps que je la voulais. My Protein, ça fait longtemps que c'est en rupture. Ça, c'est à cause de tous les gens là qui sont là dans la force, dans le SBD, dans tout ça. Ces ceintures-là, on nous les vole. Laissez-moi, pauvre ambassadeur, avoir ma ceinture aussi, My Protein. Maintenant, je l'ai. Enfin, elle est à moi, celle-ci. Elle est à moi. Je pourrais faire des dips et des tractions lestées. Et te faire des vidéos dessus. Et te faire des perfs et te faire des aventures. Oui, parce que là, on voyait tout le monde faire des vidéos traction lestée, sans lestée, dips sans. Moi, faut que je montre ce que je sais faire. Sachant que dans les dips machines, tu vois, les dips machines que tu fais comme ça à Fitness Park, à mon âge d'or de musculation, je mettais 100 kg de chaque côté à la dips machine. Ça veut dire que là, je peux bien m'en sortir. Je ne dis pas que je vais soulever 200 kg en dips, je dis juste que je peux faire des bonnes perfs avec ça. Donc, ça aussi, attendez-vous à avoir plein de petites vidéos cool avec ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, j'ai pris un galon. En fait, ça, je l'avais déjà de base. Enfin, j'en avais un de base, c'était pas mes protéines. Mais à la salle, j'ai lancé un halter dessus et ça a explosé. Parce qu'en fait, ça, c'est pas solide du tout, hein. Comme tous les shakers d'ailleurs. Sauf un shaker de My Protein. Enfin, c'est pas un shaker, c'est une gourde en quoi? Je crois que ça doit être en acier inoxydable. Je sais pas. Mais c'est une gourde qui est très solide. Bref, ça, c'est pas solide du tout. D'accord? Même là, tu vois, c'est la même matière que celui que j'ai cassé, tu vois. Ça veut dire que ça, c'est bien, mais faut vraiment faire attention. Faut que j'en prenne soin. Sachant que là, c'est un My Protein, d'accord? Donc, pour le branding, on est bien. Donc, j'avais besoin d'un petit galon. Ça fait plaisir. Ça fait toujours du bien. Et normalement, on est... Non, on n'est pas sur le dernier truc. L'avant-dernier truc, qui est très important d'ailleurs, c'est des slips. Ouais. Eh, les sous-vêtements, les mecs, c'est cher. Les boxeurs, les gars, c'est cher. Partout, tu vois, c'est cher. Donc, je m'en suis pris avec le sponsor, d'accord? C'est important, les gars. Faut se faire du bien. Et comme on a des entraînements de combat à la formation, il faut que j'ai un boxeur qui me donne envie de me battre. Donc, des boxeurs MP, les gars, c'est important. J'ai pris un lot de boxeurs noirs, d'accord? Je sais qu'il y a un lot de boxeurs bleus, jaunes, verts. Non, tu vois, on n'est pas au carnaval. Moi, c'est des boxeurs noirs que je veux, noirs, blancs. Des boxeurs de combat, des boxeurs d'intervention. C'est important, des boxeurs pour aller à la salle. Pas des boxeurs pour aller au carnaval. Donc, boxeur noir,
Et puis, on est bon. Taille L, hein, et voilà. Et là, on est tranquille. Et j'ai un dernier truc. Ça a d'être un vêtement. C'est quoi? J'aime pas ce que c'est. J'ai oublié ce que j'ai pris. Ah oui, 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 bah oui, je suis un fou. Alors, ça, c'est un protège-genou, d'accord? C'est un truc, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, allez, protège-genou, d'accord? C'est un truc où tu fous ton genou dedans et tu peux faire tes squats. Moi, j'ai très mal au genou quand je fais mes squats. Et du coup, ben, j'ai pris ça. Je sais que les gens qui font le SBD, ils ont des protèges SBD de très bonne qualité, très, très bien et tout. Moi, je vais essayer ça. Je vais voir. Des trucs MP, en plus, c'est qualitatif, c'est propre. Tu sens que ça sent le neuf, tu vois. À partir du moment où ça sent le plastique, c'est que c'est bon, d'accord? C'est très, très bon. Donc, c'est en jambes, je pourrais enfin faire des squats sans douleur au genou. Donc ça, c'est très très bien. Toujours dans le cadre de ma progression. Donc voilà pour cet unboxing. Là, je t'ai montré tout ce que j'avais. Je sais qu'il n'y a pas trop de trucs aujourd'hui, hein, parce que j'ai pris des trucs plutôt encombrants. C'est vrai que j'ai eu un gros colis d'ailleurs. J'essaierai de te parler un peu des nouveaux trucs que je t'ai montré. Que ce soit bon les gants de boxe, voilà, on va faire un truc cool. Mais les fat grip qui sont là et la ceinture. La ceinture pour se lester. J'essaie de te faire des vidéos dessus tranquillement. Même les bandes, hein, les bandes, les protège-genoux. Histoire de les essayer, histoire de te parler de ça. Histoire de voir si c'est utile, si je recommande ou pas. Et de te donner mon ressenti par rapport à ça. Parce que c'est important. Au niveau des vidéos à venir, comme la vidéo des 7 exercices épaules, elle a bien plu. Vraiment. Et ben je vais faire pareil. Pour les biceps, ça arrive. Pour d'autres groupes musculaires, ça arrive. Bah oui, les gars, on fait ce qui marche. C'est important. Vous aimez bien ces contenus, et ben on va en faire. L'été, ça arrive. Je sais qu'avec les programmes, je peux plus trop être là, malheureusement, avec la formation. C'est imprévu, mais voilà, c'est le travail, les projets professionnels avant tout. Et je pense que tu me comprends très bien pour ça. Mais t'inquiète pas, je vais te donner des clés, des tuyaux pour que tu puisses aller loin, pour que tu puisses atteindre ton physique. C'est important. Si on n'avance pas, d'accord? Petite précision, si tu veux te commander tout ça, ou certains trucs, ou alors la whey à la fraise qui est très très bonne, tu as mon code DAMS sur MyProtein. Pour bien utiliser le code DAMS, il faut aller dans ma bio, dans le lien MyProtein. C'est mon lien, d'accord? C'est le lien qui dit, voilà, tu soutiens DAMS pour de vrai, d'accord? Tu cliques sur le lien, tu fais ton shopping, tu mets le code DAMS et t'achètes et là on est bien. On est tranquille, ok? Toi et moi, on est content. C'est important. Et si tu as des doutes sur ta commande, sur la way à prendre, parce que j'incite pas les gens à prendre n'importe quoi, d'accord? Envoie-moi un message sur Instagram. Dis, Dams, j'ai envie de prendre un truc, mais je sais pas si c'est bien pour moi. Tu me le dis. Et moi, je suis pas dur à dire, oui, vas-y, prends de la créatine, plus des BCA, plus de la concentration. Non. Si t'as pas besoin de ça, ça sert à rien, je vais te dire, écoute frérot, moi je le prends, mais toi, t'es pas obligé, d'accord? C'est important. Bon, si t'aimais cette petite vidéo, et même si t'aimes pas, tu mets un petit j'aime, un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, et moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite.